Dire bonjour, au revoir, merci ou pardon, être poli c'est important. Mais ce n'est pas toujours facile, nos élèves de grande section de maternelle nous racontent. Qu'est-ce que ça veut dire être poli? Poli, ça veut dire qu'on écoute. Ça veut dire qu'on écoute. Ça veut dire qu'on est des parents. Ça veut dire qu'on écoute les parents. La maîtresse. On écoute la maîtresse aussi. Et qu'est-ce qu'on dit pour être poli? On dit oui, merci. Faut le donner à manger, merci. On dit s'il te plaît. Et merci. S'il te plaît pour avoir quelque chose. Pourquoi faut dire s'il te plaît, Antoine? Pour avoir quelque chose. Pour avoir des bons points. Oui, on dit s'il te plaît, papa, maman. Pour avoir quelque chose. Pour avoir des bons points. C'est quoi les bons points? Les bons points, c'est des petites vignettes qu'on colle. Pour si on est sage et si on a 10, on gagne un livre. Et si on a 5, on gagne une image. Pourquoi la politesse c'est important? Parce que si on n'est pas poli, au coin. Non, si on n'est pas de bon si point, on n'est pas rien. Poli, ben ça, non, mais faut le ça, si on n'est pas poli, on n'a rien. Est-ce que couper la parole, c'est poli? Non. C'est pas poli. Pourquoi c'est pas poli? Parce que sinon, ça fait mal à la gorge. Sinon, on n'arrive pas à parler. Et c'est facile d'être poli tout le temps? Des fois, je suis mal poli parce que moi, quand je bois le lait le matin, et ben, je fais... Et si on n'est pas poli, on peut être puni? Puni, c'est sur la chaise à réfléchir. Ah, c'est quoi la chaise à réfléchir? Elle est désolée. Et on y va quand sur cette chaise à réfléchir? Quand on n'écoute pas la maîtresse et qu'on joue avec... On fait la bagarre avec eux et puis on fait... Et puis quand Zoé, elle fait toujours des bêtises. Arrête Marie, parce que toi aussi des fois t'es punie.